Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici à La Réunion, nous sommes toujours en mode confinement. Donc j'en profite pour vous faire des petites vidéos make-up. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, Camille, ben voilà tes petites vidéos, ça nous permet un petit peu de nous changer les idées, de penser à des choses un petit peu plus légères. Donc je suis vraiment contente si c'est le cas, si ça peut vous permettre de passer ne serait-ce que 20 minutes ou une demi-heure un petit peu évadée de tout ça et passer un bon petit moment. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fait toujours super super plaisir de voir que la petite communauté s'agrandit progressivement. Si vous l'êtes déjà, merci du fond du cœur. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Comme toujours, je vous mets le lien là dans la vidéo et également sur Utip. Voilà, si vous avez quelques secondes à perdre, vous pouvez aller visionner une petite publicité de voilà quelques secondes sur Utip, ce qui moi me permet de gagner quelques centimes. Donc je vous en remercie beaucoup et j'ai également mis des affaires à vendre sur Utip, donc voilà, on sait jamais, hein, ça peut peut-être vous intéresser, trouver une petite pépite à droite à gauche. Voilà, tout ça est dit, on se retrouve aujourd'hui donc pour un crash test de tous les produits qu'Olivia m'a envoyés dans le swap. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous l'accroche là-haut dans le petit i. C'est la vidéo dans laquelle je fais le unboxing, comme on dit, de tous les produits qu'Olivia m'a envoyé dans le swap. Franchement, c'est une super vidéo, je suis tellement contente. N'hésitez pas à aller la regarder. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à aller voir celle d'Olivia, où elle ouvre tous les produits que moi, je lui ai envoyés. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, cette vidéo. Et donc, après le unboxing, eh ben, on va tester tout ça. Hein. Donc, j'ai tout rassemblé dans une petite trousse, comme ça. Voilà, là, il y a la plupart des produits qu'elle m'a envoyés. On va crash tester tout ça, comme on dit dans le langage YouTube beauté. Alors, je ne vais pas tout essayer, parce qu'il y a tellement de produits. Sinon, la vidéo va durer 1000 ans. Mais j'en essaye quand même les trois quarts dans cette vidéo. Donc, il y aura d'autres vidéos avec le reste des produits. Mais en tout cas, voilà, le make-up final... Ça donne ça, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je me rapproche un petit peu pour peut-être vous donner envie de voir le tuto. Je sais pas. Non, voilà, voilà, voilà ce que ça donne au niveau du teint, au niveau donc des yeux et des lèvres. Et bah écoutez, si vous avez envie de voir bah, le tuto make-up, mon avis sur tous ces produits, et puis tout simplement de passer un bon petit moment en ma compagnie, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Ok, me revoilà. Donc on repart de zéro. J'ai le visage vraiment vierge, nude. J'ai rien du tout dessus. Simplement, j'ai appliqué justement le petit baume à lèvres qu'Olivia m'avait mis en bonus, qui est un baume à lèvres de la marque Aromazone. À la cerise, voilà, c'est celui-ci. Et franchement, il est très sympa. Mais voilà, il est comme ça, un petit peu coloré. Il est hyper hydratant, vraiment super agréable. Et au-delà de la cerise, il a une petite odeur quand même de plante, un petit peu comme tous les produits bio. Non, il est vraiment, vraiment super sympa. Donc, on va commencer par la base. La plupart des produits, je vous les avais déjà présentés dans le unboxing du swap, justement. Donc là, voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur les produits. On va plutôt se concentrer sur l'application. La base, donc c'était une base de la marque Ingrid Cosmetics, qui est une base matifiante et anti-pollution. Donc, je vous la remontre. Elle est comme ceci. Et la particularité, c'est qu'elle est sans silicone, ce qui est quand même assez surprenant pour une base qui va... voilà, matifier, lisser le grain de peau et remplir les pores, donc ça m'intrigue pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus des masses à l'intérieur. Bon, moi je vais l'appliquer eh ben, au doigt tout simplement. Ah, elle est carrément, regardez, elle est carrément translucide, transparente et on voit les petites, comme des petites bulles d'air en fait à l'intérieur. Je vais l'appliquer déjà sur ma zone T. Oh, elle sent super bon. Ah, oh, j'adore l'odeur, c'est une petite odeur de soin. Mais vraiment très très légère, ah, c'est super agréable comme odeur. Et la texture, effectivement, on sent qu'il n'y a pas de silicone dedans. Elle est très très fine, très très fluide, je veux dire, hyper légère. Ça c'est surprenant parce que généralement les bases pour les pores, elles sont vraiment épaisses quoi, siliconées. Bon, on va voir si elle remplit les pores. Je pense que je vais en mettre que sur la zone T, hein, la zone où j'ai les pores. Je vais pas en mettre sur tout le visage parce qu'il n'y en a plus des masses dans le tube. Bon, au niveau de la texture, c'est vraiment sympa. C'est même hydratant, je trouve. Par contre, au niveau de l'efficacité, je trouve que c'est moins efficace qu'une base classique. Avec un petit peu de silicone, forcément, pour les pores. Et on les voit quand même. Hein. On les voit quand même encore. C'est pas la meilleure base matifiante, je veux dire, que j'ai essayé. Alors, j'ai enlevé mes petites boucles d'oreilles parce qu'on va passer au fond de teint. Le fameux fond de teint qu'Olivia m'a envoyé, donc qui est le fond de teint Yves Rocher, que j'avais vraiment envie de tester depuis assez longtemps d'ailleurs, donc ça tombait super bien.
C'est celui-ci, donc c'est le fond de teint fluide, zéro défaut. Fond de teint peau parfaite, 14 heures. Donc moi, elle m'a mis la teinte beige 200. Je pense que c'est la bonne teinte. Écoutez, je vais l'appliquer comme j'ai l'habitude de faire, avec mon pinceau Zoeva, le numéro 102, le Silk Finish, celui-ci. Pour moi, c'est le meilleur pinceau pour appliquer les produits teints. Il n'est pas si fluide que ça, hein, parce que parfois, ça m'arrive avec des fonds de teint vraiment très fluides qui coulent sur la main. Là, non, il reste quand même en place, mais il n'a pas l'air non plus très, très, très épais. Bon, franchement, la teinte, elle a l'air pas mal du tout. Et il est quand même assez épais, je trouve, hein. Enfin, c'est pas le fond de teint le plus fluide que j'ai pu essayer, hein. La couvrance a l'air quand même assez importante. Je pensais que c'était une couvrance un peu plus légère à la description du produit. Bon, on va voir le rendu. C'est un peu plus couvrant que ce que j'ai l'habitude d'utiliser quand même. En tout cas, la texture, elle est vraiment agréable par contre. L'odeur aussi, j'aime beaucoup l'odeur. Elle est très légère encore une fois, mais très agréable. Alors moi, le fond de teint, j'en mets partout, hein, comme vous avez pu voir plusieurs fois. J'en mets sur mes yeux et tout, j'en mets partout de toute façon. J'aime bien vraiment que ce soit hyper homogène sur mon teint. Alors franchement, il s'applique quand même super bien. C'est-à-dire que la matière, elle se déplace sans problème. On peut bien la travailler, je veux dire, on peut bien l'étirer sur la peau. Ouais, ça m'a l'air d'être plutôt un bon produit, ça, hein. Deux pompes, ça suffit. Sachant qu'à mon avis, avec une pompe, on peut avoir une couvrance plus légère et suffisante, je pense. Et bien, vous savez quoi? C'est pas mal du tout, hein. Franchement, il se travaille vraiment très, très, très facilement. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je trouve qu'il pénètre bien la peau. Il fait un joli rendu. Je veux dire, il uniformise bien, il homogénéise bien. Après, il est couvrant. Généralement, moi, j'utilise des fonds de teint un petit peu moins couvrants. D'ailleurs, je suis surprise de cette couvrance-là. Je m'attendais à moins. Je dirais qu'il est semi-mat. Alors, c'est pas un fond de teint mat, mais il est pas non, il apporte pas non plus énormément de glow. Il est semi-mat parce qu'il apporte quand même de la lumière, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il apporte quand même un petit peu l'effet bonne mine, l'effet lumineux au teint. Ouais, franchement, là, j'aime vraiment beaucoup le rendu, là, en tout cas dans l'immédiat. C'est plutôt pas mal du tout, tout ça. On va tester l'anti-cerne, donc, qu'Olivia m'a mis. C'est l'anti-cerne de la marque Woga Woga. Donc, je vous l'avais dit dans la vidéo, je ne connais pas du tout cette marque. C'est la première fois que je vais essayer un produit de cette marque-là. Sachant que le fond de teint, il a quand même pas mal couvert mes cernes, hein. Vu qu'il est assez couvrant, j'ai même pas forcément besoin de mettre trop d'anti-cerne. Donc, je vais en mettre très légèrement, mais je vais quand même le tester. J'avais swatché la teinte dans ma vidéo unboxing et à mon avis, c'était la bonne teinte pour moi. Alors, par contre, il a l'air un peu sec. Ah ouais, la texture, elle est quand même un peu sèche, hein. Oula, je sais pas comment vous dire, à l'application, ça accroche un petit peu sur la peau. Ça glisse pas, quoi. J'espère qu'il va pas m'assécher le contour des yeux. Ouais, c'est pas dingue, là, hein. Je suis pas fan parce que... sec. Donc, je vais humidifier le pinceau pour essayer un petit peu de contrebalancer la texture du produit. Autant le fond de teint, là, dans l'immédiat, j'aime beaucoup. Autant l'anti-cerne, là, c'est pas trop mon truc. Après, peut-être qu'il est ouvert déjà depuis un petit moment, peut-être qu'il a séché, je sais pas. Et puis là, je sais pas si vous verrez, mais au niveau vraiment du coin interne de mon œil, là, la matière, elle se déplace pas bien. Ça reste en bloc. Je sais pas si vous verrez, là, ici, mais du coup, ça fait des petits tas. Et ça marque en fait les zones de sécheresse. Bon, écoutez, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais juste rajouter un tout petit peu de mon Fit Me, de Je mets Maybelline, juste au coin interne ici pour couvrir un tout petit peu la naissance de la cerne. Parce que si je poudre telle qu'elle, ça va justement fixer les petites zones de sécheresse. Et la petite matière, l'ancien qui s'est pas déplacée. Donc, bon, ça, Olivia, je suis pas fan de l'anti-cerne, là. Mais bon, il faut tester, hein, pour découvrir des marques et puis se faire son propre avis. Il faut bien essayer, hein. Vous voyez, moi, je reste positive, quoi qu'il arrive. Bon, on va passer à la poudre, justement. Donc, j'en avais eu deux dans le colis. J'avais eu une poudre Nude by Nature, comme ça, un petit peu translucide. Et la fameuse poudre Full HD, donc de Makeup Forever, en format mini. Donc j'ai vraiment envie d'essayer les deux. J'avoue que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer celle-ci sur le contour des yeux, parce qu'elle a l'air un petit peu plus lumineuse, elle a l'air de contenir un petit peu des sous-tons champagne. Donc pour le contour des yeux, je pense que ça va être parfait. Et sur le reste du teint, j'appliquerai la Makeup Forever.
Alors, par contre, les pots sont tout petits, donc je vais essayer de trouver un petit pinceau. Ouais, regardez, la Nude by Nature, là, pour le contour des yeux, je pense qu'elle va être parfaite parce qu'elle est un petit peu beige. Donc, ce sera nickel. Je vais prendre ce genre de pinceau. Ah, elle sent bon. Elle sent super bon, cette poudre nature, là. Elle a une odeur un petit peu, vous savez, de savon. Savon de Marseille, savon d'Alep. Genre hyper naturel, c'est très agréable. Elle est très très fine. Ah ouais, j'aime bien. Oh, elle est top. Ben, elle fixe super bien les produits teints là. Elle assèche pas du tout. Au contraire, j'ai même l'impression qu'elle est venue un petit peu contrebalancer mon contour des yeux qui était asséché par l'anticerne. Elle est top cette poudre, elle est toute fine. Vraiment très très légère. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup que ce soit l'odeur, la texture là. Le rendu, super. Ok, je vais tester la deuxième. Donc la Make Up Forever. Par contre, comme le pot est vraiment tout petit, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais en mettre dans ma main. Regardez comment elle est. Elle est vraiment tellement fine, même plus fine que de la farine. C'est le genre de poudre, ça, je pense que je vais adorer. Bon, par contre, c'est vrai que le format mini comme ça, c'est pas très pratique. Alors, on va déjà poudrer le menton. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Elle est imperceptible, cette poudre. Tellement fine, truc de fou. Oh, et elle a lissé mes pores. Eh mais c'est un truc de malade. Parce que autant avec la base et le fond de teint, on les voyait encore un petit peu. Mais là, je n'ai fait que le menton. Justement pour voir. Eh, je sais pas si vous verrez à la caméra. Mais regardez mes pores. On les voit plus du tout là. Plus du tout, du tout. Ils sont complètement lissés. C'est un truc de fou. Oh my god. Eh, je vous disais dans la vidéo unboxing que cette poudre, c'était une poudre dont tout le monde avait parlé, qui avait fait le buzz il y a quelques années, la meilleure que tout le monde voulait et tout, et que je l'avais jamais essayé, et ben là, je suis en train de comprendre pourquoi en fait, pourquoi elle a cette réputation. Oh my god. Alors, je sais pas si vous pourrez le voir à la caméra là, mais non seulement elle est matifiante, elle va venir fixer le make-up, mais en plus, elle a cet effet lissant. Punaise, c'est... J'ai rarement vu ça avec une poudre. Franchement, hein. Franchement, je suis honnête. Faites-moi confiance. Là, je suis vraiment épatée. Surtout par l'effet lissant qu'elle apporte au teint, quoi. C'est un truc de fou. Et vraiment, là, sur les contours du nez et sur le menton, le rendu, il est quand même assez incroyable. Hein. Ouais, on dirait que j'ai pas de pores du tout, en fait. Oh, punaise de punaise. En plus, je vous ai dit dans la vidéo qu'on avait un Make Up Forever ici à La Réunion, en centre-ville, et que... Si elle me plaisait, j'irai l'acheter en format full size. Oh, je le sens mal. Je le sens mal. Je sens que je vais y aller. Oh my god. Ben, merci Olivia. Hein. Mon porte-monnaie va te remercier. Non, franchement, merci beaucoup parce que tu m'as fait découvrir cette poudre là que je voulais tester depuis très longtemps. Et ouais, elle fait honneur à sa réputation. Top. Alors, hors caméra, j'ai redessiné un petit peu mes sourcils parce que dans le swap, il n'y avait rien pour les sourcils. Par contre là, plus les minutes passent, plus l'anticerne, c'est quand même une cata quoi. À part vraiment au coin interne de mon œil là, où j'ai repassé mon Fit Me par-dessus, sinon là, en dessous de l'œil, au fur et à mesure, je vous dis, des minutes, les petites ridules sont en train d'être marquées. En fait, l'anticerne, comme il est tellement sec, il file dans les plis, vraiment, et il les accentue. Donc bon, je vais rester comme ça, je vais rien rajouter de plus parce que j'ai poudré en plus. Alors avant de finir le teint, j'ai passé aux yeux. C'est-à-dire que je vais tester les crayons, le mascara et justement je vais tester la petite ombre à paupières liquide de chez Sephora, comme ça. Parce que j'adore la couleur. Celle-ci c'est la teinte numéro 2. Regardez, elle est ici. Regardez la luminosité de ce fard liquide, de cette couleur, j'adore ça. Je vais d'abord appliquer donc le crayon Nocibé qu'Olivia m'a mis dans le swap. C'est un crayon yeux waterproof, donc qui est noir comme ça, qui a une mine rétractable. Donc du coup aujourd'hui je vais faire un petit make-up vraiment light, un peu de crayon, une petite ombre à paupières liquide avec le mascara, et dans une autre vidéo je ferai vraiment un make-up des yeux, voilà, plus développé avec la palette, des dégradés de fard et tout ça. Donc le petit crayon, je vais l'appliquer vraiment en ras de cils supérieur. Je vais me faire comme un trait de liner en fait avec. Et franchement, il est super gras. Il est vraiment pas mal. Il marque tout de suite la paupière. Ah, j'aime beaucoup ce genre de crayon. Vraiment noir quoi. Et crémeux.
Ouais, il est vraiment pas mal du tout. J'en ai mis également en muqueuse supérieure, et il marque tout de suite, tout de suite. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, Sephora, et tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'estomper un petit peu pour que ça fasse un petit effet, vous voyez, un petit peu fumé. Et il s'estompe super bien. Il y a des crayons comme ça, une fois qu'on les applique, ils sèchent tout de suite et après c'est vraiment impossible de les estomper. Et ben là, franchement, pas du tout. Je vais en appliquer aussi en muqueuse inférieure et très légèrement ici sur le coin externe, en ratil inférieur. Voilà, l'idée c'est vraiment de se faire un petit œil entouré de noir, quoi, mini smoky. Pareil, je le smoke un peu. Je suis toujours sur mon fameux œil, vous savez, à la Penelope Cruz dont je vous parle souvent. Ses yeux un petit peu noirs, fumés, on ne sait jamais trop comment elle fait pour avoir ce genre de regard. Ben voilà, en tout cas, moi je fais comme ça. Et je vais appliquer donc cette fameuse ombre à paupières liquide de chez Sephora. Donc l'embout, il est comme ça. Je ne sais pas si c'est le format normal ou si c'est les formats mini, ça. Dites-moi dans les commentaires. Et tout simplement, tac, alors on va voir ce que ça donne. Waouh, là, 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 la couleur, elle est trop belle. Oh, j'adore cette couleur un peu rose comme ça. Rose, mais un petit peu rouille aussi. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets pas mal ici en coin interne, histoire vraiment, vous voyez, de venir illuminer le coin interne de l'œil. Et après, j'en applique un peu partout sur la paupière. Et franchement, c'est super joli, hyper facile à appliquer. Et pourtant, je l'applique directement là avec l'embout, hein. J'ai même pas pris de pinceau ni rien. Même avec l'embout, comme ça, ça se dégrade directement en fait. C'est vraiment hyper pratique, hein. J'avais jamais testé ces fards Sephora là. Regardez ce que ça donne pour le moment. C'est tout simple hein, comme make-up, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Un peu de crayon noir estampé, un petit fard liquide, et puis ça va le faire. Et donc, je vais essayer le fameux mascara, donc le Damn Girl de chez Too Faced, qu'Olivia m'a mis. Donc, je pense que ça, c'est le format mini par contre. Mais j'avais tellement envie d'essayer le mascara, je vous l'avais dit, celui-là ou le Better Than Sex. Regardez, la brosse, elle est vraiment très très large, hein, bien fournie. Oh là là, effectivement, il est génial. Franchement, waouh, ça agrandit l'œil. Je suis d'accord, il apporte et volume et longueur. Il fait pas de pâté, il sépare bien les cils. Oh, j'adore. Je trouve vraiment, là, quand on compare les deux yeux, l'effet, ouais, c'est l'effet waouh, quoi. J'aime trop le rendu. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Et franchement, je suis super contente. J'ai mis 3 produits, crayon, la petite ombre à paupières rose et un bon mascara. Et voilà, ça fait des yeux un petit peu noirs, fumés. Le petit rose quand même, hyper lumineux, apporte ben voilà, un peu d'éclat, un peu de lumière. Les petites paillettes là qu'on voit sur ma main, les petites paillettes vertes, jaunes et tout, elles ressortent exactement pareil sur les yeux. C'est tout simple. Là, vous voyez, avec 3 produits, ben, je trouve que ça fait hyper joli. Un peu glamour, quoi. J'aime bien. On va repasser au teint. Alors d'abord, je vais réchauffer. Alors pour réchauffer, Olivia m'a mis 2 produits. D'abord, la poudre bronzante, la poudre clubbing de chez Bourjois. Je vous avais montré le packaging qui était trop trop beau. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Elle a l'air magnifique. Et le deuxième produit, c'était une petite palette de chez Tarte, la Pro Glow To Go, qui, donc, elle est trop mignonne. Regardez, elle est comme ça. On a un petit miroir ici à l'intérieur et en fait on a donc 3 poudres à l'intérieur, une poudre bronzante et 2 highlighters. Donc je sais pas trop, je pense que j'ai bien envie de tenter la Bourjois quand même. Ouais, je vais tenter la Bourjois et après je mettrai les highlighters de la palette Tarte. Alors elle a l'air quand même pas mal pigmentée hein, donc je pense qu'il faut y aller mollo mollo. J'ai pris mon petit pinceau Elite là que j'ai acheté en grande surface et franchement il est top ce pinceau. C'est comme les pinceaux Babyliss en grande surface, n'hésitez pas, franchement, ils sont vraiment super. Je vais la balayer comme ça, tac. Franchement, la couleur, elle est trop belle. Elle est un peu caramel. Elle me fait penser à la Oula Caramel de chez Benefit. J'aime trop ce genre de couleur, vraiment, voilà, chaude, quoi. Un marron chaud, caramel, comme ça. Sauf que celle-là, elle contient un petit peu des petites particules satinées à l'intérieur. Ah ouais, elle est vraiment jolie. Regardez sur les joues, là. Comme ça réchauffe le teint de manière chaude, ouais, c'est ça, c'est trop beau. J'aime trop. Je vais en mettre un petit peu sur le menton ici et faire l'ovale du visage. Ah ouais, là c'est gros, gros coup de cœur. J'adore cette poudre. Regardez comme elle structure
Et comme elle réchauffe, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle fait une mine de malade. Elle est sublime, cette poudre bronzante. Et je vous l'avais dit, je n'avais jamais vu ce produit, ni dans les magasins, ni dans aucune vidéo YouTube. Je n'ai jamais vu ce petit produit, mais franchement, c'est une merveille ce produit. Je ne sais pas d'où il sort, mais franchement, merci beaucoup, quoi. Je suis trop contente, je trouve qu'il me fait un teint de malade, quoi. Enfin, je ne veux pas me vanter du tout, hein, mais franchement, j'adore. Ensuite, je vais passer au blush. Je vais tester le blush Physician Formula. Donc il y avait un petit pinceau, hein, vous savez, en dessous, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais prendre un pinceau à moi. En fait, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais le fond des petits cœurs, là, il est corail. Et après, on a différentes nuances de rose. Je vais prendre un petit pinceau MAC bien fluffy. Hey, il est pigmenté, hein. J'avais trop hâte d'essayer les produits Physician Formula. Je m'en suis commandé quelques-uns, là, j'attends de les recevoir. Du coup, ça tombe super bien que j'ai reçu celui-là en attendant. Moi, j'ai commandé la gamme Butter, qui a priori est top. Et celui-là, il est pas mal du tout. Regardez le petit effet bonne mine qu'il apporte, là. Joue un petit peu rosé. Très joli. Pourtant, moi, d'habitude, je suis plutôt blush corail que blush rose. Mais là, ouais, je trouve qu'il est vraiment joli. En fait, il est entre le rose et le corail. Je sais pas si vous voyez, là, bien sur mes joues. Ouais, je le trouve vraiment sympa, vraiment léger. J'en mets un petit peu sur le... Toujours sur le nez, moi, un petit peu, et au milieu du front. C'est toujours pour... je rappelle un petit peu la couleur du blush, comme ça. Mais beaucoup plus légèrement que sur les joues, bien sûr. Hein. Comme ça, au centre du visage. Je balaye un petit peu comme ça. Non, c'est vraiment sympa. Ouais, très sympa, ce blush. Je sens que je vais me faire un très joli teint, là, aujourd'hui. Et pour finir, donc, highlighter. Alors, soit je vais prendre, donc... Les petits highlighters là de la palette Tarte, il y en a un qui a des sous-tons un petit peu jaunes et l'autre des sous-tons un petit peu plus roses. Soit je vais prendre le produit que m'a envoyé Olivia qui est de la marque P2 aussi. Il y a marqué blush dessus, mais je vous avais dit dans la vidéo unboxing, pour moi c'est plus un highlighter qu'un blush quand même. Hein. Je sais pas trop, j'ai quand même bien envie de tester les blush Tarte. Allez, c'est parti pour les tartes. Je prends le pinceau de Sananas. Donc celui-là, il fait partie de la nouvelle collection. C'est le pinceau pour enlumineur. Et alors, il y en a deux. Il y a le Gleam et le Burst. Je pense que je vais prendre le Burst, moi. C'est-à-dire celui ici, celui du milieu. Le petit miroir, c'est toujours pratique, hein, franchement. C'est petit, mais... Waouh, ah ouais, ah ouais, oulalalala. Alors, attendez, parce que là, il est quand même assez poudreux. La matière, elle se fixe un peu là sur la joue. Donc je vais voir si c'est... facile de l'estomper ou pas. Ouh là là, attendez, je vais prendre un gros pinceau. Ouais, par contre, highlighter, là, je sais pas si vous voyez, j'ai une sorte de tache ici. Il se diffuse beaucoup moins bien que la poudre bronzante et le blush. Donc, je vais essayer d'estomper un petit peu parce que là, ça me fait une sorte de tache brillante sous l'œil. Bon, je vais essayer l'autre. Ouais, non, en fait, c'est super bizarre l'autre, là, le P2. Je vous dis, comme ça, on dirait un highlighter. Mais en fait, quand vous l'appliquez, c'est vraiment un blush, hein. Un blush vraiment corail, justement. Bon, bah du coup, ça fait un peu comme si j'appliquais deux blushs, hein. Bon, c'est pas grave, hein, je teste. Ah, il est joli. Ouais, il est bien corail, un peu lumineux. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, je vais faire fondre un petit peu toutes ces matières ensemble, quand même. Bon, globalement, je suis très contente du teint. À part la petite tache, là, que j'ai ici d'highlighter, que j'arrive pas trop à estomper. Sinon, je trouve que le teint est très joli. On va passer aux lèvres. Je vais d'abord utiliser le crayon Morphe. Donc, qu'Olivia m'a envoyé en teinte tabou. Donc, c'est celui-ci. Il est vraiment grand. Donc, il est comme ça. C'est une sorte de bordeaux. Par contre, il n'est pas rétractable. Ça, c'est vrai que c'est pas très pratique. C'est les crayons à tailler. Et j'espère surtout qu'il est aussi hydratant, je veux dire aussi crémeux, qu'un crayon rétractable. Parce que souvent, les crayons qui ne le sont pas sont un petit peu plus secs. Non, franchement, ça va. Il est moins gras qu'un rétractable, mais il n'est pas sec non plus. Et la couleur est vraiment sympa par contre. Vous voyez, je pense que ça va bien mettre en valeur le contour des lèvres. Franchement, il est agréable à appliquer. Alors par contre, comme il est assez foncé par rapport au rouge à lèvres que m'a envoyé Olivia, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait qu'un contour de lèvres. J'ai dessiné un tout petit peu l'intérieur, mais pas toute la lèvre. L'idée, c'est de faire une sorte de rouge à lèvres un petit peu ombré, avec un petit dégradé. Donc en termes de rouge à lèvres, elle m'en avait envoyé plusieurs. Donc il y avait le Make Up For Ever vraiment rouge. Donc je ne vais pas appliquer celui-là aujourd'hui. Un Yves Rocher un petit peu rose nude. Je ne vais pas prendre celui-là non plus. Il y avait le crayon Jumbo Color Pop. J'utiliserai ça dans une autre vidéo aussi.
J'hésite entre le Anastasia Beverly Hills et le rouge à lèvres de la marque. Alors, je savais pas trop ce que c'était cette marque. Sema DU. Vous voyez, alors le Anastasia Beverly Hills, il est comme ça. C'est une sorte de marron un petit peu rouille. Mais j'avoue que j'ai bien envie d'utiliser celui-là. Hein. Parce que celui-ci, il est un petit peu nude métallique comme ça. J'avoue que j'ai vraiment envie d'utiliser ça. Et je pense qu'avec le crayon Morphe, avec l'effet un petit peu ombré là entre les deux, je pense que ça peut faire une bouche vraiment très sympa. Donc je vais prendre celui-là aujourd'hui. Oh punaise, il est métallique, métallique. Hein. Oh, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des rouges à lèvres comme ça. Quoique je vous ai dit, en ce moment je me lance un peu dans les glosses. Je commence à aimer ça. Et franchement, ça fait une bouche waouh. Ouais, là on voit bien ma bouche. J'ai l'impression que l'accent est mis vraiment sur la bouche. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Je trouve que l'association des deux, c'est vraiment joli. Ça fait une bouche assez waouh quoi. Mais bon, j'aime bien. C'est métallique quoi. Hein. C'est. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Bon, de toute façon, je n'ai qu'une seule bouche. Hein, donc je ne peux pas tester tous les rouges à lèvres dans cette vidéo. On va fixer tout ça. Donc avec le spray Stay Spray de chez Tarte qui est comme ceci, ça tombe bien parce que je ne le connais pas du tout. Donc c'est un spray fixateur de maquillage. Hein. Je crois qu'il est neuf parce qu'il faut quand même pomper hein, pour avoir du spray. Oh, il sent super bon. Il est vraiment fin. Les petites bulles sont très très fines. Il rafraîchit quoi, il fait du bien. Ouais, il est vraiment agréable. Je sais pas si vous le connaissez ce spray de chez Tarte. En tout cas, la première fois, j'aime bien. On va voir si ça permet de prolonger la tenue du maquillage et de mieux le fixer. Alors, je me suis mis debout pour vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. Donc, je vous montre d'abord le teint que je trouve vraiment très, très, très sympa. Je pense que c'est surtout le fond de teint Yves Rocher, là, qui est vraiment très, très, très joli sur ma peau. Vous voyez, ça uniformise vraiment super bien. La poudre Makeup Forever, elle a permis vraiment de lisser mon grain de peau de manière incroyable. Et puis toutes les petites poudres teint après là, la poudre bronzante bourgeois, le blush physician formula, vraiment je trouve ça très 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 joli. Ça fait vraiment un joli teint bien lumineux, tout ce que j'aime quoi. Pourtant le fond de teint il est couvrant, mais franchement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et ça bravo Olivia, parce que me faire aimer un fond de teint quand même plutôt couvrant, c'est assez rare hein. Alors je vous montre les yeux, donc il n'y a que le crayon, le petit fard rose, le petit fard liquide et le mascara Dame Girl. J'aime beaucoup ce type de make-up. Moi franchement ça c'est le genre de maquillage que je fais vraiment quand j'ai pas le temps quoi. Un petit crayon un petit peu estompé, qui soit noir, marron, peu importe. Je mets pas forcément d'ombre à paupières liquide, un petit coup de mascara et voilà quoi, ça fait un œil qui est tout de suite beaucoup plus mise en valeur, beaucoup plus intense. Et la bouche ça fait un effet waouh. J'ai l'impression que ma bouche elle a doublé de volume. Je sais pas si c'est le crayon Morphe ou ce rouge à lèvres un petit peu métallique qui donne cette impression de bouche pulpée quoi, repulpée. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir une énorme bouche. Je testerai la palette, les autres produits pour les yeux, que ce soit les crayons, la base, les autres rouges à lèvres dans d'autres vidéos. De toute façon, j'ai de quoi faire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, que ce soit le make-up que je porte là aujourd'hui ou de ces produits dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Moi en tout cas je suis super contente d'avoir pu tester là toutes ces nouveautés avec vous. Encore merci Olivia. Écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve dans les commentaires pour papoter, pour échanger comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque là prenez bien soin de vous. Bye bye.